this news on Spectrum Television. In our lone headline story for tonight, November 26, 2022, the 31st edition of the International Day of Persons with Disabilities has been launched yesterday in the Center Region of Cameroon at Obak. The ceremony, chaired by the Secretary General of the Ministry of Social Affairs, gave room for vulnerable persons to present their daily difficulties in order to see their situation improved. This story in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Assek, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue à la 31e édition de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été lancée à Obak, c'est dans la région du centre, une cérémonie présidée par la secrétaire générale des services, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales hier 25 novembre 2022. Au cours de cette cérémonie, les personnes vulnérables ont présenté leurs doléances et attendent des solutions du représentant de l'administration. Nous faisons le point avec Olivier Bouzic. De nombreux besoins élémentaires. C'est le cas de Paul, septuagénaire. Sans canne, sans lunettes, je me débrouillais comme ça. Bon, avant, je fréquentais à un niveau là, puisque comme l'âge avance, c'est comme ça que les yeux baissent aussi. Oui, bon, je me débrouillais comme ça avant là. C'était un peu possible. Maintenant, ça commence, les yeux commencent à baisser. Conscient de cette difficulté, les autorités administratives, traditionnelles, religieuses ont saisi l'occasion du lancement de la 31e édition de la Journée internationale des personnes handicapées pour unir leur voix et plaider auprès du gouvernement en faveur d'une inclusion sociale des couches vulnérables vivant à Obak. Les handicapés sont un problème. C'est le problème d'éducation, le problème de la communication et même le problème de mobilité. Les handicaps, ce n'est pas un synonyme d'incapacité. Il faut promouvoir pour partager la vie et pour partager les expériences et même au développement de notre pays. La localité possède déjà un hôpital ophtalmologique de pointe pour secourir les handicapés visuels. D'autres mesures sont en perspective, notamment dans le cadre des activités marquant la journée qui leur est dédiée. La vraie cérémonie, c'est le 3 décembre. Mais on a beaucoup d'activités qui commencent aujourd'hui. Il y a les activités de la communication qui vont faire la sensibilisation aux gens pour savoir quels sont les handicapés et comment on peut protéger et préventer les handicaps. Sur place, lunettes, cannes blanches leur ont été offertes en attendant la commémoration le 3 décembre prochain. And still in health, Mental Health and Alzheimer is a book written by Vanessa Francine, a psychologist who in this 230 pages book seeks to map out appropriate measures on how medical doctors should approach consultations, especially in areas where the patients are accompanied by their guardians. Josephine Binzi and Gilles Paul report. The inability to fully utilize cognitive abilities may have far-reaching consequences. Author Vanessa Francine Techno has launched a book titled Mental Health and Assisting Patient Guides. Déjà parce que dans notre société, quand on parle du malade, in our society, sick persons are considered the lone victims and generally, the sick guide is ignored. He who offers help and assists mentally is hardly regarded. This is because they have no help. In my capacity as a psychologist, I am interested in them because they must be mentally fit to give help. Alzheimer, just like many other ailments connected to mental health, share common manifestation signs, says Buka Umate, representative of the Ministry of Public Health at the book launch. Alors, la maladie d'Alzheimer fait partie de... Alzheimer makes up part of mental health ailments. This has to do with a loss in cognitive abilities.
The individual finds it hard to perfectly adapt to the environment and often cannot remember some of the things they did. L'individu, par exemple, à un certain moment, ne va plus reconnaître les choses qu'elle avait faites. However, author and psychologist proposes certain amendments on how medical experts should approach consultations and patient guides. Interpeller les médecins à chaque fois. I'm calling on all doctors to properly orientate patients in the presence of their guardian. Don't focus on the patient only. Spread your consultations to those who accompany them. Quand celui-ci vous propose, vous ou alors. Mental Health and Alzheimer contains 230 pages with 10 chapters completely broken down into fragments on how society ought to approach mental health-related issues. The book launch has taken place recently in the economic capital, Douala. From health, we now take you to the market, where onion has now become a luxury product in the local market as the price of this vegetable has now doubled its former price. A pile that used to sell for 500 francs now sells for 1,000 francs CFA. Catherine Corner spoke to some vendors in the central market here in Douala and filed in the following report. The scarcity of onions in the city of Douala is being felt not only by traders but also buyers. Je viens acheter les oignons aujourd'hui, mais je me rends compte que les prix ont tellement grimpé quatre fois par rapport. I came to buy onions today, but realized the price has doubled compared to last. As you can see, what I'm having is onions for 5,000 francs CFP, whereas last year onions were very cheap. Voilà, et que ça coûte aussi très cher. Donc nous, on est obligé d'acheter parce qu'on utilise. Oui, oui, oui. Le prix est exorbitant, c'est tout ce que je peux dire. The prices are exorbitant, that's all I can see. They sold 4 medium sizes of onions for 1,000 francs CFP. Je suis là en train de réfléchir devant les oignons parce que le prix me dépasse. The sudden increase, according to traders at the Douala Central Market, is due to its scarcity. Bon, les oignons ont augmenté parce que c'est cher, parce qu'il n'y a même pas d'abord l'oignon. Chaque jour, onions are now expensive because they are not even available. Just one truck that comes to supply us. Just imagine the whole Douala, who will sell and who will not sell. Parce qu'il y a même pas d'abord l'oignon au nord, non. Il y a plus, c'est fini, non. C'est pour ça qu'il y a plus l'oignon ici à Douala, non. Oui. A medium size of a bulb of onion that used to be sold for 50 francs CFA is now sold for 200 francs CFA and even more. Onion is a seasonal crop and the shortage of onions in the off-season leads to a spike in prices in September to November every year. Sometimes the increase is worse than usual since small traders cannot freely import onions, thus experiencing skyrocketing prices. La Journée internationale des enseignants de français a eu lieu ce jeudi 24 novembre 2022, célébrant les enseignants de français. Cette journée a été instituée à l'initiative de la Fédération internationale des professeurs de français. Retour sur les activités de cette journée dans son reportage que signe la Reine Ganzu. Le français est une langue très importante, sur tous les plans. Le jour du prof de français. C'était ce 24 novembre 2022, à l'occasion de la 4e édition de la Journée internationale des professeurs de français. Organisée au collège Alfred Saquet de Douala sous le thème « Le professeur de français créateur d'avenir », ces enseignants ont eu l'opportunité d'échanger, de partager leur expérience, mais aussi de se célébrer. Le professeur Bodi Mouelé est la présidente nationale de l'Association camerounaise des enseignants de français. Il y a déjà un projet pour le professeur de français de demain. Le professeur de français de demain cesse donc d'être le seul, de transmettre, va cesser de transmettre tout simplement la connaissance de la langue, mais va au-delà, c'est-à-dire essayer de transformer son apprenant en le façonnant de manière à pouvoir se socialiser, se situer, avoir une place claire dans la société, avoir un travail comme tout le monde. Professeur de français, un enseignant qui ne se cantonne pas à enseigner seulement une langue. L'enseignant de français est un acteur du développement durable.
Nous n'enseignons plus les savoirs, pour les savoirs, mais les savoirs pour sortir des salles de classe, c'est-à-dire donner à l'élève l'occasion de devenir lui-même autonome. Donc, c'est-à-dire nous offrons la possibilité à chaque élève de devenir un acteur, une chaîne de production sociale, un maillon de la chaîne de la production sociale. Dans la capitale économique, l'événement qui rend hommage aux enseignants de français et à tous ceux qui enseignent le français dans le monde a été organisé en partenariat avec l'Institut français de Douala. Le service de coopération et d'action culturelle de l'Institut français du Cameroun est lui-même partie prenante dans la promotion de la langue française au Cameroun à travers son réseau des instituts français et des alliances françaises. Donc nous dispensons des cours de français et nous proposons aussi des examens de français. Donc aux côtés de la communauté camerounaise, des professeurs de français et en français, nous venons interroger les pratiques, réfléchir à nos outils de travail et voir dans quelle mesure nous allons nous projeter pour continuer à promouvoir cette belle langue qu'est la langue française. Notons que l'objectif de cette journée est de valoriser le métier d'enseignant de français à travers des activités qui pourraient créer des liens et une certaine solidarité. Il y a des tests de langue. En culture, prie, assainir nos maisons, prier librement sans la présence des esprits. C'est l'une des missions du livre Les six points de l'assainissement. La dédicace de cet instrument d'évangélisation vient de se faire dans la ville de Douala. Reportage Oriane Donguin et Nono Foutu. Il nous arrive de dormir ou somnoler pendant la prière ou encore pendant la lecture de la Bible. Il est important pour une bonne connexion avec le Christ d'assainir son milieu. Le point de l'assainissement nous amène à assainir nos maisons. Les six points de l'assainissement nous amènent à prier librement sans la présence des esprits. Quand on parle de l'assainissement, si nous nous basons dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 36. C'est Jésus qui déclare qu'un esprit n'a ni chair ni os. Alors nous constatons que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu et si nous ne la mettons pas en pratique, nous allons manger constamment avec les esprits. La preuve en est que quand nous lisons la Bible, on se trouve en train de dormir. Parfois même, on est en train de prier, on se trouve en train de dormir. Cet ouvrage, Inspiration divine, qui aura pris 11 ans pour sa mise en œuvre, vient en réponse à ce problème. La connaissance qui est dans le livre, Les six points de l'assainissement, vient pour pallier à cela. Bon, c'est un livre qui m'a pris 11 ans, 11 années, où le Seigneur ne faisait que m'enseigner parce que ce qui coule en moi est dans le livre. Donc les gens n'ont plus d'efforts à fournir, que non, je vais aussi faire 11 ans, non. Le dépôt qui est en moi, le dépôt des six points de l'assainissement, de la connaissance de la parole de Dieu dans l'adoration, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, le feu, le règne de Christ et le relâchement des anges est dans ce livre. Ce dernier vise l'apprentissage de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Ça, c'est un instrument d'évangélisation parce que nous voulons évangéliser. Quand on ignore quelque chose, cette chose-là ne peut pas nous influencer, à l'instar du sang de Jésus. Je voudrais que plusieurs personnes entrent en possession de ce livre pour mieux prier le Seigneur, pour mieux lire même la Bible dans leur maison, dans les bureaux. Donc ça, c'est pour évangéliser. La dédicace du livre « Les six points de l'assainissement » a eu lieu ce 19 novembre ici à Douala. En page magazine, je vous propose d'aller à la découverte du coursol, pas très connu. Ce fruit exotique venu d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Oriane Donquin et Nono Foutu nous proposent d'en découvrir quelques-unes. Sur un plan de coursolier, tout s'utilise. La pulpe du fruit, l'écorce, les graines et les feuilles. Puissant anti-cancer selon des recherches, les feuilles du coursolier possèdent des antioxydants naturels qui peuvent détruire les cellules cancéreuses, notamment le cancer du foie, du sein, des intestins, des ovaires et des poumons. Ici, il est encore question des feuilles de coursolier. Celles-ci assurent un sommeil calme et réparateur, idéal donc pour les personnes anxieuses, stressées, déprimées. Diurétiques, les feuilles de coursolier sont un excellent hypotenseur. Elle s'utilise pour purifier le foie et nettoyer l'organisme, réduit le taux de sucre dans le sang.
Les feuilles de corossol portent à ébullition, aident à la digestion, calment les douleurs abdominales et arrêtent la diarrhée. Des vertus qui font d'elle un antimicrobien. La macération de ces feuilles dans de l'eau tiède s'utilise en cataplasme pour les brûlures dues à l'insolation. C'est donc un antimycosique. La décoction de ces feuilles permet de soulager les douleurs inflammatoires articulaires et musculaires. Le corossol est très apprécié pour sa chair blanche, juteuse et crémeuse. Il est également apprécié pour son apport en vitamine C, B1 et B2, calcium, magnésium, fer, potassium et phosphore. Au Cameroun, la culture du corossol est encore domestique et sa présence sur les étals de novembre à février. Le corossol au Cameroun, il n'y a pas de jardin de corossol. Donc ça provient dans presque toutes les régions. Oui, parce que c'est un fruit purement naturel. On ne l'a pas encore expérimenté au Cameroun en termes de jardin, comme d'autres fruits. Tous les fruits dans notre pays, tous les fruits dépendent de la saison. Quand c'est la grande saison des corossols, le prix baisse. Quand c'est la petite saison, le prix est en hausse. Le sac de 50 kg coûte 60 000. Le 25 kg. Dans les 20-22 000. Plus en détail, il y a les fruits. Il y a les fruits. Les plus gros fruits coûtent 2 000, 2500. Les moyens, 1 000 francs. Les plus petits, 500. Le corossol est un fruit exotique qu'on retrouve en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Bien qu'il ne soit pas très répandu, le corossol est un fruit aux nombreuses vertus médicinales et thérapeutiques. Match Cameroun-Suisse, on en reparle dans ce journal. Après la rencontre de ce 24 novembre 2022, les uns et les autres ont tenu à donner leur avis sur la prestation des Lions indomptables. Et ce soir, je vous propose d'écouter celle de Idrissou Mouamadou, ancien Lion indomptable. C'est avec Léla Rengonze. Ligue nationale du Cameroun, on a un problème avec nous-mêmes et on a un problème en défense. Notre problème, c'est nous-mêmes. Quand moi qui a vécu 11 ans avec Samuel Eto'o, avec Rigobert, quand je dis de ce qui se passe à l'équipe nationale, les gens m'insultent, disent n'importe quoi devant moi. Moi que vous dites de n'importe quoi, je suis le deuxième meilleur buteur Camerounais tout confondu en notre époque après Samuel Eto'o. Moi, Tchoki, à notre époque que j'étais à l'équipe nationale, et les Webo, les Achille Webo, les Désiré Diop, les certains avants qui étaient là et tout, Samuel Eto'o est après deuxième meilleur buteur confondu pour tous les Camerounais. À notre époque, c'était Tchoki, c'est moi. Quand maintenant je parle, je dis ce qui se passe au monde de football, qui se passe au Cameroun, les gens disent j'ai un truc Samuel Eto'o, je l'aime pas, et je l'aime pas Rigobert et tout. J'étais le premier joueur à se mettre devant les caméras pour dire que Rigobert mérite d'être entraîneur de l'équipe nationale et Samuel Eto'o mérite d'être président de la FECAFOOT. Toujours c'est moi. Moi je n'ai pas un problème, j'ai des problèmes quand les gens manquent du respect au football. Et nous, notre problème, on se manque du respect. Quand tu parlais de Samuel, on dit que tu ne l'aimes pas. Et tu ne parles même plus. Quand on va dire des choses, non, tu ne l'aimes pas, voilà, voilà, voilà. Il a beaucoup fait, mais sous le plan de football, il ne fait pas ce qu'il faut. Si je ne m'entends pas avec un joueur, je vais l'appeler. C'est l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas mon équipe nationale. Et c'est ce qui s'est passé avec Ngandé. Et maintenant, voilà, on a un problème en défense. C'est ce qu'on avait depuis. Même la Coupe d'Afrique, on a déjà vu si c'était pas Ngandé. On a des problèmes en défense. Et maintenant, comme votre problème réglé à huis clos, votre problème maintenant, vous faites que c'est le problème de tout le peuple camerounais. Vous faites souffrir tout le peuple camerounais. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Après ce match-ci-là, j'ai mal. Tout le peuple camerounais ont mal. Pourquoi?
Et c'est vous deux, Samuel Eto'o et Rigobert. Vous faites souffrir votre peuple camerounais. Le football ne serait pas une concert souhaitée. Si tu ne t'entends pas avec lui, s'il ne t'entend pas avec toi, Samuel, réglez ça à huis clos. Mais la Coupe du Monde, c'est tout un pays qui va aller là-bas. C'est toute la nation du Cameroun que vous êtes en train de faire comme vous voulez là. Et voilà ça. Nous, on a un problème en défense. Première, ça s'est montré. Voilà les genres de billes qu'on encaisse. Et on ne prend pas le défenseur qui marquait. Il était le meilleur buteur dans tous les défenseurs qu'on a eu le dernièrement là. C'était lui. Et c'est lui qui a fait la passe de but qu'on a, on est qualifié en Algérie. Et voilà, c'est le même gars que vous laissez, vous prenez ce que vous voulez. Le football, ce n'est pas la collection, c'est lui que vous voulez. Voilà ça. Nous, on a mal. Pourquoi? C'est parce que vous pensez que vous avez fait les bons choix. Non, ce n'est pas un bon choix. Deuxièmement, les remplaçants, là, on t'appelle, ouais, fais sortir Choupo et Kembi et tout. Mon frère, ce n'est pas les deux joueurs-ci qui vont sortir. Allons au sérieux. Les deux qui font feu, qui font fort là-bas devant, qui fait que ça dégage de tous côtés, c'est les gens-là. Choupo Moting, reste-moi te dire que les derniers 13 matchs qu'il a joué, il a marqué 11 buts successifs, tous les matchs qu'il avait joués. 13 matchs qu'il a joué, il a marqué 11 buts. Et tu viens le faire remplacer avec Boubacar Vincent, qui n'a même pas marqué toute la saison. Non, ce n'est pas bien. Vous nous faites souffrir. Ce n'est pas les deux-là qui vont sortir. Sortez qui que vous voulez. Ce n'est pas les deux-là. Si vous sortez les deux-là, ça veut dire que c'est mieux aussi. On en a aussi sort. Mettez aussi notre gardien. Puisque les deux qui ont tout donné, vous les faites sortir. Et à quel, pour quel joueur? Si ce n'est pas Onanawanga, on a encaissé le 2-2 buts qu'il avait arrêté. Le même centre qui est venu encore, pareil. Même côté, côté Koulou. Pareil. C'est avec cette page spéciale que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Oriane Donquin et Catherine Conan à partir de lundi. Prenez soin de vous et bon week-end. Bon week-end, Christelle Assek. Good evening, Ines Banga. Televiewers, it was a pleasure being in your company. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Good night.